Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on va regarder d'abord notre oracle avec notre carte des anges, la leçon des sages. Inspirez-vous des paroles et des actions des sages. Les montagnes enveloppent le ciel, c'est là le symbole de champs fertiles. Donc il y a quelque chose qui va être très fécond pour vous chers amis. Et la fécondité viendra de vos conversations, de ce que vous allez dire, pour faire, pour agir, et en plus vous avez l'ange de la beauté. Il y a quelque chose qui vous sera proposé par des amis, par des collègues, par la famille. Ce sont des conversations, de simples conversations, si je peux dire ainsi les choses. Mais en fait, ces conversations vont vous donner des idées d'action pour agir. Cessez toute action quand vous rencontrerez une situation dangereuse. Prenez le temps de rassembler vos forces, de retrouver votre équilibre et d'affiner vos savoir-faire. Et je pense que vous allez être surtout dans l'affinage des savoir-faire pour faire quelque chose de beau, pour faire quelque chose de bien, pour faire quelque chose qui va, je pense, vous permettre de progresser. Cela vous permettra de progresser. C'est vous inspirer auprès des autres qui sera une bonne chose. Ne vous battez pas avec les autres et ne montrez pas votre force réelle. Apparemment, vous êtes beaucoup plus puissant que ce que vous pensez. Vous avez beaucoup plus à offrir que ce que vous croyez. Et comme si le fait de se confronter aux autres, pas de s'affronter, de se confronter, c'est-à-dire de discuter, de confronter vos idées et de mettre en perspective vos idées par rapport aux autres, ça va vous donner la force et surtout le dévoilement d'une force réelle. Alors vous découvrirez un chemin sans obstacle devant vous. Et je pense que l'ange de la beauté vous dit que c'est quelque chose qui va être très très intéressant pour la suite des événements. Et surtout, j'ai encore dans l'ange de la beauté, j'ai cette idée qui va vous permettre de sortir d'une tristesse. Vous avez le 4 d'épée, la reine de coupe, 9 d'épée, 9 de denier. Et ben dis donc, on n'a pas d'arcane majeur. De l'intuition, beaucoup d'angoisse, je pense, c'est ça l'idée, l'angoisse, le stress, mais beaucoup d'intuition. Parce que vous ne savez pas comment exprimer. Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous avez, vous ne vous rendez pas compte de ce que vous pouvez faire. Ce 9 de denier nous dit que vous allez être confortable, mais je pense que le confort viendra après des discussions. Les discussions sont importantes ici. Vous ne pouvez pas vous permettre d'improviser. Cette reine de coupe nous parle d'émotions. Je pense qu'émotionnellement, vous avez besoin d'être beaucoup plus solide. En fait, vous avez l'impression de ne pas savoir, vous avez l'impression de ne pas connaître, vous avez l'impression de ne pas être fort, alors que vous l'êtes en réalité. C'est une impression, c'est une émotion. Vous avez 4 de bâton. Je pense que vous êtes beaucoup plus fort que ce que vous croyez. Oui, en plus, vous avez deux fois le 4 au même endroit. Donc, vous êtes beaucoup... Et la tempérance, qui est un numéro 14, hein, il y a encore le 4. Donc, vous êtes beaucoup plus solide que ce que vous croyez. Je ne sais pas qui vous a mis le doute, ou qui vous mettra le doute, mais vous êtes beaucoup plus fort que ce que vous croyez. Et c'est l'échange avec les autres, en fait, qui va vous permettre de prendre conscience que, bah encore la tempérance, et comme vous avez remarqué, j'avais bien mélangé, c'est émotionnellement que vous avez besoin d'équilibrer quelque chose. C'est émotionnellement que vous avez besoin de revenir vers quelque chose. Oui, émotionnellement, ça va bouger. C'est l'émotion qui provoque ce 9 d'épée, c'est-à-dire cette angoisse, ce stress. Parce que l'angoisse, c'est, quand on pense beaucoup, quand ça tourne dans notre tête, c'est tout simplement une peur qui enclenche toutes ces idées, qui enclenche ces nuits sans sommeil, etc. Je pense qu'il y a une peur ici chez vous, et à mon avis, en tout cas c'est comme ça que ça vibre, qui vient de l'extérieur. C'est-à-dire, c'est l'observation soit de l'extérieur, soit des choses qui vous ont été dites et qui ont déclenché cette angoisse et ce stress. Pour ma part, je vais vous dire la chose suivante, c'est écoutez surtout votre intuition, faites confiance à votre intuition. Installez-vous dans votre intuition, ancrez-vous dans votre intériorité, parce que c'est là que vous allez trouver la paix et que vous allez trouver ce pape, c'est-à-dire la croyance, ayez la foi. Au lieu de chercher à retourner les choses de mille façons différentes, ayez la foi. Et c'est la foi qui va vous donner la réponse, chevalier d'épée. C'est la foi qui va vous donner la connaissance. C'est la foi qui va vous donner l'information. Avec le 9, vous avez 5 d'épée. Je pense qu'il y a beaucoup de conversations autour de vous. Il y a beaucoup de ragots autour de vous. Il y a beaucoup de...
de malveillance, hein, pour dire les choses simplement. Et vous, on vous invite à rester posée, tranquille, confortable, comme cette brave jeune femme là. Regardez. Regardez comme elle est bien posée dans son fauteuil. Alors attendez, hop, hop, hop. Je vais essayer de zoomer, mais non, ça ne marche pas. Voilà. Regardez comme elle est bien posée dans son fauteuil. Comme elle est tranquille, comme elle est apaisée. Pourquoi? Parce qu'elle a vaincu, en fait, quelque chose qui, mentalement, était difficile. Elle est sortie d'un enfermement mental. Et c'est ça qu'on vous demande, c'est de rester tranquille face à ces ragots. Il y a des ragots, il y a des, je sais pas, il y a des choses qui sont racontées qui sont pas sympathiques. Regardez cette belle reine de bâton. C'est vous la reine de bâton, que vous soyez un homme ou une femme. On vous dit, restez ancré dans votre intériorité, restez ancré dans votre passion, restez ancré dans dans ce qui vous intéresse, parce que je pense qu'il y a de jalousie ici entre nous. Parce qu'il y a quelque chose qui se prépare pour vous, que les autres sentent aussi et qu'ils connaissent. Et en fait, s'ils vous disent des choses, ils vous les disent pour mettre le doute dans votre esprit, parce qu'il y a beaucoup de jalousie. Vous avez la mort. La mort, la transformation viendra d'une importante discussion. Il y a une discussion qui sera très très importante et qui va vous justement rendre cette stabilité. 10 de denier, 9 de denier. Vous allez passer de ce 9 à ce 10. C'est-à-dire que ce 5 d'épée qu'on avait tout à l'heure va rester aux oubliettes, va aller aux oubliettes, parce qu'il y a quelque chose chez vous qui va être beaucoup plus simple à gérer. En fait, cette conversation va vous rassurer. Vous avez le 7 de bâton. Oui, ça va vous rendre votre désir de vous battre et vous avez la tour. Je peux vous dire que ça vous rend presque votre force intérieure. Cette tour nous dit que vous allez beaucoup avoir plus de puissance, de force. En fait, vous allez vous rendre compte que vous êtes fort. Vous êtes comme ici. Alors, ok, voilà. Vous êtes ici comme ce dragon plein de feu. Et tout à l'heure, on avait la reine de bâton qui nous parle aussi de feu, de passion. Donc, alors que vous, vous vous imaginez comme étant un petit serpent, quoi. Alors que vous êtes ce dragon. Donc, s'il vous plaît, faites-vous confiance. Et ancrez-vous dans votre intuition, ancrez-vous dans votre intériorité, essayez de calmer votre mental par une certaine modération, par la foi. Ayez la foi, ayez la foi, parce que ça, tout vient de ce 5 d'épée. Tout vient de ce 5 d'épée, de ces voilà, médisances, parce qu'il y a le mot médisance qui, depuis tout à l'heure, veut venir. Médisance, donc les pourquoi? Parce qu'il y a de la jalousie. Hein. On va pas, je vais pas tergiverser, je vais pas chercher à emballer la chose. Non, il y a de la jalousie et on sent qu'il y a quelque chose ici qui voilà, essaye de vous déstabiliser ou quelqu'un essaye de vous déstabiliser. On vous invite à rester dans ce 9 de denier. Une conversation va encore plus vous donner de stabilité parce que ça va vous confirmer que vous avez raison d'avoir la foi et d'avoir confiance en vous. La reine de coupe encore. Une transformation au plan émotionnel est fondamentale, est essentielle. Ne laissez pas les autres, le roi de denier, ne laissez pas les autres, en fait, enclencher, déclencher cette angoisse, ce stress. Parce que tout ça, c'est inutile. Dans la matière, dans la réalité, c'est beaucoup mieux que ce que vous pensez et ce que votre mental va penser. Donc, soyez très bienveillant vis-à-vis de vous. C'est important. Vous avez 3 d'épée. Je pense qu'il y a quelqu'un qui essaye de créer le doute chez vous. 3 de denier, 3 d'épée. Je vous dis. En plus, c'est un groupe de personnes qui essayent de créer le doute chez vous, de provoquer le doute chez vous. Et là, on vous dit, ne vous laissez pas avoir, ne tombez pas dans le panneau, c'est leur objectif. Et il y a une conversation qui est à l'extérieur de ce groupe qui va vous donner un peu plus de poids et un peu plus de puissance. 9 de denier, très très bien, pardon, c'est là. 9 de denier, c'est la même énergie que celle-ci. Vous voyez, on vous invite au calme, au confort émotionnel, on vous invite. Et la reine d'épée. Soyez sûr de vos émotions, c'est-à-dire cherchez à rester ancré dans vos propres émotions, pas dans les émotions que les autres essaient de déclencher. Il y a quelqu'un ici, vraiment, un groupe de personnes qui essaye de créer chez vous du doute. Le roi d'épée, le roi d'épée, vous voyez par rapport à ce 9 d'épée, bah, c'est que dalle, hein. On peut dire les choses crûment. C'est rien du tout, c'est rien du tout, parce que si vous restez dans la foi,
dans l'intuition, 5 de coupe, ce roi d'épée va dépasser cette tristesse, va dépasser cet inconfort émotionnel, va dépasser ce moment délicat, parce que je pense qu'il y a quelqu'un ici qui veut, parce que c'est dans son intérêt. C'est dans son intérêt de créer du doute chez vous. Vous avez 5 de denier. Oui, mais il y a quelqu'un qui veut prendre ce que vous avez. L'impératrice, il y a quelqu'un qui veut prendre ce que vous avez. Et comment elle se prend cette personne? Bah, elle se prend par le fait de créer un groupe qui lamine votre confiance. C'est incroyable quand même. Ok, bon, bah voilà, vous avez le 8 d'épée. Je pense que cette conversation que vous allez avoir va libérer justement le dragon en vous. À l'intérieur, je peux vous dire que vous êtes beaucoup plus fort que ce qu'il croit. Et je pense que vous êtes beaucoup plus fort que ce que vous croyez vous-même. 4 de denier, 4 de bâton. On avait le 4 d'épée. Le seul qui nous manque, c'est le 4 de coupe. Ok. Parce que émotionnellement, je pense que ça va être un peu délicat. Émotionnellement, ça va être complètement bouleversant à un moment donné. Parce que si vous restez dans cette confiance que vous pourriez avoir avec vis-à-vis de ces personnes, parce que là il faut pas vous fier à ces personnes là et surtout pas à ce qu'elles racontent, parce que c'est leur jalousie qui parle. Vous avez ensuite la reine de bâton. Waouh. Restez confiant, soyez confiant, faites confiance. Voyez à votre monde intérieur, vous avez la papesse avec la reine de bâton. Les deux nous disent quoi? Faites confiance à un savoir intérieur qui n'est pas exprimable. Vous ne pouvez pas le dire, 8 d'épée, c'est difficile d'exprimer, mais à mon avis, vous allez le sentir. Vous allez sentir qu'il y a quelque chose d'autre à faire, qu'il y a quelque chose d'autre à enclencher. Donc, sincèrement, n'écoutez pas tous ces ragots, parce que tout ça, c'est de la malveillance. Il n'y a rien d'autre à dire, c'est de la malveillance. 3 de coupe. Ces gens sont très superficiels. Je vais vous le dire, ils sont très très superficiels. Mais parce qu'ils ne peuvent pas, en fait, face à vous, ils ne font pas le poids. Et ils le savent. Et vous avez la mort pour la deuxième fois. Donc, cette superficialité va ressortir. Je pense que la conversation avec une autre personne va vous permettre de mettre en lumière cette superficialité et va vous permettre de mettre en lumière ce quelque chose qui n'est pas sympathique. Je pense comme ces personnes ne peuvent pas se battre, entre guillemets se battre, hein, symboliquement parlant, à armes égales avec vous. Donc, elles essayent de se liguer, de se lier contre vous et de créer, en fait, cette énergie pour vous déstabiliser afin de vous faire perdre votre superbe et de vous faire perdre ce côté reine de bâton. Vous avez as d'épée. Faites confiance à la vie. Ayez la foi, la décision va arriver, l'empereur, la décision, la détermination, il y a quelque chose de fort et de puissant. Et encore un 4, je ne sais pas pourquoi la présence du chiffre 4 est assez importante dans cette affaire. Je pense que vous êtes beaucoup, et la phrase vient, c'est là parce qu'on veut vous dire quoi? Vous êtes beaucoup plus fort que ce que croient ces personnes-là et ce que vous croyez vous-même. Donc, voilà, ne vous inquiétez pas, vous avez les amoureux. Vous voyez, ces personnes ne savent pas comment vous atteindre autrement que par ces manigances. Et ça ne marchera pas, ça ne marchera pas. Je vous le dis, ça ne marchera pas. On va voir nos conseils. Vous avez la justice, vous avez le magicien, un arcane majeur, le chariot. Ah, waouh! Vous avez la mort. 4 arcanes majeures, allez, et le roi de denier. Ben, je peux vous dire que le roi de denier, c'est vous. Il y a une transformation qui est très rapide. Et en fait, vous avez l'aptitude, vous avez les capacités, vous avez le potentiel. Et là, le seul élément qui pourrait vous perturber, c'est vous-même. C'est-à-dire d'écouter ces ragots, d'écouter ces personnes-là qui ne valent pas la peine d'abord, premièrement, et qui ne vous arrivent pas à la cheville. Ils ne vous arrivent même pas à la cheville. En fait, c'est même pas le petit doigt de tout ce que vous êtes vous. Et c'est quelqu'un, je crois, qui essaye de monter un groupe contre vous. Pourquoi? Parce que cette personne ne fait pas le poids face à vous. Voilà. Et ben voilà. C'est vous, ce 6 de bâton. Le vainqueur, c'est quelqu'un qui est dans le triomphe. Quelqu'un qui est... Voilà. C'est vous, ce dragon. Voilà. Vous êtes ce dragon.
au sens littéral du terme ici, c'est-à-dire à l'intérieur, il y a une puissance, il y a une force, il y a quelque chose. Regardez, sur cinq arcanes, on a quatre arcanes majeures. Changez votre façon de voir votre vie, de vous voir vous-même, et c'est ce regard sur vous-même qui va faire que bah, vous allez... Alors, vous allez les faire boucler, mais je ne sais pas comment vous dire ça, comme si vous fermiez leur bouche, mais j'arrive pas à trouver le mot, c'est... En fait, vous fermez leur clapet. Voilà, c'est ça l'idée. Voilà. Mais sans dire, sans rentrer dans leur jeu, sans rentrer dans l'épuisement émotionnel, ni l'épuisement énergétique, parce que c'est dans leur intérêt de vous ramener, voyez, de vous ramener dans leur monde, dans leur petitesse. Alors que là, restez-vous dans votre intériorité, parce que ce 4 nous disait que vous êtes beaucoup plus solide que ce qu'ils croient et ce que vous croyez vous-même. Et là, ce n'est que justice, cherchez l'équilibre. Ne vous laissez pas embarquer émotionnellement et tout ira bien. Voilà. Merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.